Hey, salut à tous, c'est PokéPizzaBoy au micro et nous sommes de retour avec ce magnifique coffret, hein, le coffret Pikachu V, et oui. Bon, j'aurais pu le faire la vidéo un peu plus tôt, ça va faire quoi, 2 semaines que je l'ai, mais allez, on va s'ouvrir sans plus tarder, hein. Superbe coffret, en plus la promo Pikachu, elle est jolie comme jamais. L'illustration est pas mal, hein. Après, ben, je sais pas pourquoi maintenant ils aiment bien en faire 2 promos. Donc, t'as Mimi qui est à côté en holo. Ok, hein, ok, c'est pas plus mal, hein, c'est pas plus mal. Donc, le coffret il tourne dans les 25 à 30 euros si, en fonction des magasins. Mais vous devriez le trouver, hein, assez facilement. Le scalping est fini, les scalpeurs sont partis. Et oui, on les a fumés. ils ont décidé d'aller scalper les Nike. Ça gagnait mieux, et ouais. Et ouais. Et donc, voilà, je vous montre un peu l'arrière, hein, de la vidéo, et moi je vous dis à tout à l'heure, hein, pour une fois que le coffret est... Hop là, et nous je voilà, hein, avec le coffret qui a été déballé, ouvert, déchiqueté, hein. Et nous avons donc les 2 petites promos à la taille normale, avec le Pikachu qui est encore plus beau, là, une fois délivré de sa boîte. Magnifique promo, super carte, et le petit Mickey Holo. De l'extension, ça, si je me trompe pas, ça doit être du ténèbres embrasé, je pense. Je me souviens plus. Vous pouvez envoyer les commentaires de haters pour dire que je suis nul. Et ensuite, on a la Jumbo, et c'est la même. Pourquoi c'est la même? Et voilà. À l'intérieur, on a quoi? On a 2 boosters star étincelante. Hein. Magnifique série. Et ensuite, on a du ténèbres embrasé et du point de fusion. Donc, on va faire une ouverture comme ça, dans l'ordre, hein, de la date de parution. Donc, on commence avec le ténèbres embrasé. Je ne sais même pas comment ils font pour en avoir encore au recyclage du ténèbres embrasé. Je sais pas d'où il sort, c'est booster. Bon, en tout cas, le booster, on l'a déchiqueté. Il a été déchiqueté, destroy, 1, 2, 3, 4, hop là. Et on espère qu'on va piocher quand même du lourd. Hein, ténèbres embrasées qui était une assez belle série. Hein. Avec le Dracaufeu V-Max, hein, ça on le veut. Je l'ai pas eu, j'en ai ouvert beaucoup de duopacks. Mais malheureusement, le Dracaufeu V-Max n'est jamais tombé. Donc on a les gants d'épreuve. Et nous avons Hippodocus. Ok. On va les mettre là. Hop là. Et on repart dans point de fusion. Allez. C'est le moment là d'invoquer Gorosem. Vous saurez pourquoi. Hein. Si vous voulez savoir pourquoi, allez voir sa dernière vidéo du coffret, hein, qu'il a ouvert. Le coffret Arceus. 1, 2, 3 et 4. Hop là. On va essayer. Hein. On va essayer d'avoir la même carte que lui. Allez. L'énergie combat. On a un beau flot tout en. C'est marrant cette île. Le chrysacier. Le pass de combat VIP, on a Snubbull, nous avons aussi le petit Jacaillou, Gripat, le Trousselin qui a volé mes clés, hein. Ah là là, comment je vais faire pour rentrer chez moi, hein. On a Escargom en reverse et en rare, nous avons Goliath pose caca. Et donc, une fois avoir fini la petite pose caca, on va s'ouvrir les 2 boosters Star étincelante, hein. On va garder le Drac. On va ouvrir Shaymin en premier. Allez, petit Shaymin. Donne-moi du lourd. Donne-moi du lourd. On a besoin encore de pas mal de cartes pour compléter cette série, hein, qui n'est autre que la magnifique série Star Étincelante. Nous avons aussi un Astre Radieux qui va pas trop tarder à sortir. Hein, avec Palkia et Dialga. Donc quand même, hein, ça a l'air d'être des séries assez intéressantes. Je trouve les élus pas mal, hein. Il y a plein de clins d'œil avec la légende d'Arceus. C'est intéressant. À voir si on va la faire ou pas. Dites-moi en commentaire, hein, si vous voulez qu'on la fasse ou pas en vidéo. Moi, je m'occupe de votre avis. Hein. Et donc, en jarre, nous avons le champignon. Aïe. Hein. C'est quoi ce coffret Pikachu, hein. Nous avons Drac. Le dernier, le meilleur pour la fin, ou pas. Bon, allez, là. Allez, hop, hein. Donnez-moi des trucs, hein. Donnez-moi des trucs où c'est peut-être parce qu'on s'est trop moqué, hein, du Gorosem. Et il nous a transmis son sem. Allez, 1, 2, 3 et 4. Hop là.
On va essayer de tricher. Hein. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Nous avons une énergie obscure qui est magnifique. Ensuite, le vibranymph. Chimp en feu. Gloria, Gloria, magma. Rioli. Donc là, on finit hein, la petite versus des Nymphali contre Givrali. Après cette vidéo, normalement, on va partir au cordon du stage et dans ce longtemps, il va y avoir de l'ouverture par-ci, par-là, partout. Ça va être du stage instant en moi pendant 4-5 vidéos, hein, donc ne soyez pas surpris. Et donc, en reverse, nous avons Kaorin. Et le petit Drac nous a réservé une holo, malheureusement, ok, ben voilà, donc on va pas faire de recap time, hein, je pense. Au niveau du recap time, hein, qu'est-ce qu'on a, ben, le recap, nous avons réussi quand même à avoir deux holos que je possède déjà, malheureusement, Angoliath, Poskaka et Torterra. On reste quand même dessus une belle carte promo Pikachu V PKPK qui est magnifique, hein. Franchement elle est pas mal en vrai, donc voilà, si vous la voulez n'hésitez pas à acheter le coffret, les extensions bon ça passe, hein. Donc il y a les deux stages de Vincelante, après je trouve que Ténèbres rasées c'est un peu vieux, c'est un peu trop recyclé, et après bah, point de fusion, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, donc c'est selon les goûts. En tout cas, bah, j'espère que vous avez aimé la vidéo, hein, comme ça a été évoqué, les prochaines vidéos, ce sera du stage étincelante. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.